Bonjour à tous et je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans ce let's play de Red Dead Redemption. La dernière fois on avait accompli deux missions pour Abigail et une mission pour Jack. Alors aujourd'hui ça serait pas mal si on pouvait faire une mission pour le vieil oncle Benz. Malheureusement pour l'instant il fait nuit donc on va devoir faire passer un peu le temps. Fort dommageable. Enfin c'est l'aube ou le crépuscule, que sais-je. En tout cas maintenant il fait toujours nuit. On réessaye. Salut. Et il fait jour. À peu près. Ça a l'air en tout cas. Ou alors c'est le début. Quelle heure est-il? Bah il est 9h. Visiblement. Alors il n'y a une mission que pour Jack. C'est bizarre ça. Je sais pas si c'est normal. Bon. De toute façon, faut attendre qu'il aille se mettre en place avant de pouvoir démarrer la mission. C'est juste un peu pénible ce détail. C'est juste ça, quoi. Enfin, quand il sera prêt. Et c'est bizarre qu'il n'y ait pas. Bah, il y a Abigail et l'oncle là, mais pas de mission. Je comprends pas trop. Est-ce que je manque quelque chose? Bon. Peut-être trop tôt. What? Ah oui, ouais. Il s'entraîne à tirer. Ok. Bon, bah, Jack alors. Peut-être que la suite se débloquera. Des loups, des chiens et des fils. Ou des fils, je sais pas. Probablement des fils. You're tensing up. I'm not. You are. Your back's tense and it's making the rifle jump. You're holding it wrong. Here, let me show you. I don't need you to show me, Paul. I guess not. No showing, you'll just run off again or something. Better I teach myself. I ain't going nowhere. Whatever you say, Paul. Don't be like that. Sorry. Wolf's been after the herd. Gotta get out there and scare him off. You wanna come with me? Safer with two. Okay. Bon bah on va faire de la chasse, encore du massacre d'animaux en famille, décidément c'est une tradition. Enfin. Apparemment, Jack est en mode émo. T'es trop nul, papa, tu comprends rien. Alright, let's go. Stay on Rufus now. Et on va encore suivre le clébard en plus. Rufus. En avant, Rufus. Oh shit. Désolé, mon chien. Bon, je vais passer par-dessus le rocher, mais. Tant pis. I can shoot. You're gonna land us both in the dirt. That's what fathers do. I'm just trying to look out for you. What about the rest of the time? Come on, Jack. That ain't exactly fair. One minute you're telling me to be a man, the next you tell me I'm just a boy. It's gonna take a while for things to get back to normal. Normal? Is it ever normal? I don't know, but it'll get better, son. I promise. Que c'est tendu, hein, d'un coup, hein. Et pourtant, la mission d'avant, c'était. You don't need to be. I don't mean to be moody. I'm glad you're home, I really am. It's just, every time you go up, well, I worry you're not coming back. I swear, if it was down to me, I'd never have gone anywhere. They can't make you, can they? It's complicated, but it seems they can. Yeah, I know. I wouldn't understand. Just some things you start have to be finished. Ouais, bon, la traduction et les la VO, c'est pas exactement dit la même chose. What was your father like? I didn't really know him. He died when I was just a boy. Look, he's on to something. Vas-y, Rufus. Stay with me! Come on! We can't stop now! Right. Donc on va massacrer du loup. Je sais pas s'il va y en avoir beaucoup. Is Uncle really your uncle? No! At least I sincerely hope not. He's probably lots of people's father, though. Well, why do you call him Uncle then? Folks always did. Probably because he's always been older than everybody else. He was old when I was a kid. He was old when I was a kid, sir. God must have had some purpose for keeping him on this earth. But I sure as hell don't know what that is. Come on. Moi, je suis en train de suivre Jack plutôt que de suivre le chien. Donc forcément, je suis en train de tourner en rond. J'aime bien qu'il me parle de l'oncle. Genre, c'est un fossile. He found him. Où sont? Abattez les loups. Ouais bah écoute, je crois que je les vois, ils sont là-bas, je pense. Watch yourself now, son. It might turn on.
Ok, alors je crois qu'il y en a un ici. Ouh. Un bon paquet, j'ai l'impression. Hein. Tu vises. Merci. Voilà, on les a tous eus. Soft on the trigger now. You can't be tired already. Bon, je pourrais les looter, mais je crois que j'ai pas envie de m'emmerder. Oh, on est reparti pour suivre Rufus. Come on, Rufus. Where are the others, boy? Let's go. Ouais, bon, je les ai eus surtout. Slow down. Par où tu me fais passer, Rufus? Come on. Get him! Get after him, boy! Allez, Rufus, y a rien à dire là, je peux pas commenter, c'est vide! Je parle pas depuis tout à l'heure! C'est pas comme s'il y avait grand chose à dire de base! Je tue des loups, quoi! Des die, tu vises, tu cliques, il meurt, voilà! Bon, en tout cas, on est bien monté dans les hauteurs enneigées. Ils sont vraiment loin, ces putains de loups. Hein. Ils viennent vraiment de loin pour aller bouffer mon bétail. Hein. Ok, ça m'étonnerait pas que ce soit le cas. Oh, je crois que j'ai croisé le chien. Allez, Rufus. Ok. Mais où est-ce que tu vas? Bon, il a trouvé les loups. Ouh, en tout cas, j'ai plus beaucoup de détails. Et j'ai plus la visée automatique, donc ça risque d'être un peu galère. Ah, ils attaquent. Ok. Je risque de perdre Michael dans le procédé. Ok, dead eye. Ah, raté. Ok, on va avoir besoin de passer au fusil à pompe avant que Michael ne meure. Oh putain, c'est Rufus, je suis con. J'allais tirer sur Rufus. Vas-y, Jack. Il s'enfuit. Bah, faut que j'aille la battre, quoi. Ah bah, je crois que. Non, Jack l'a pas eu encore. Où est-ce qu'il va? Putain. Allez, reviens, saloperie. Voilà. C'était complexe pour pas grand chose, hein. It looks like all of them. Nice work, Jack. All right, we should head back now. We got out further. Yeah. Rentrez chez vous. Bah bah voilà, c'était une mission très intéressante. That was some good shooting, son. T'es mieux que moi en tout cas. Hold on there, cowboy. You ain't ready for that yet. One step at a time. We'll go out again soon. Catch something nice for your ma to cook. I ain't gonna tell you again, Jack. You don't leave the farm without checking with me first, you hear? Ah bon, discussion père-fils, hein? Classique. Of course! What? Maybe. But I live my life believing there's a difference between killing and murdering. No. And I guess I've been both. That's how it goes. We all do what we have to survive. Sometimes it ain't pretty. And in the end, we pay the price for what we did. Exactly. Look, when I was a kid, things were different. Rules were different, but that's over now. Voilà. On a pressé le pas, on va rentrer à la ferme. All we did was kill a few wolves. I'm happy with my two arms, if you don't mind. Those wanted men in the west. And what about your ma? Well, I mean, we still come home. You live in a dream world. It ain't like they tell it in books. All right. Let's go. Ouais, assez de blabla et
de pan-pan. On rentre à la maison, puis j'espère que les missions pour Abigail et l'oncle vont se débloquer, parce que l'oncle, j'en ai pas encore fait une seule. You're turned into a decent hunter, son. But try to stay out of trouble. Bon, bah, c'était une mission, ma foi... pas très intéressante, quand même. Je vais pas mentir, là, pour le coup. Uncle, qui ne va pas être disponible. Votre proche n'est pas là pour le moment, revenez plus tard. Ah, bah, il est là. Ok, on va attendre qu'il se pointe, qu'il se pose et que sa croix devienne disponible, en espérant qu'il soit pas trop tard. Non, ça va, il devrait y avoir encore le temps. Bah, voilà. Parfait. À la sueur du front. Ça promet. Surtout quand on regarde l'oncle, ça donne pas trop envie. Je veux dire, regardez sa barbe dégueulasse, mais c'est ignoble, quoi. Le mec, on dirait qu'il s'est pas mouché depuis des années, quoi. Ah. Rien que d'y repenser. Mais du temps à charger cette mission, quand même. Hein. C'est bizarre. Oh, putain, mais regardez cette barbe, mais... Get up, old man. I am up. Ouais. Get up! There, I'm up. Well, thank the good Lord you're back. Nothing worse for an old man than sleeping in the warm afternoon sun. You want a long sleep, Uncle? That can be arranged. It'll cost me less than food. You always was a hard and nasty man, John Marston. You always was a useless, conniving thief. And where's them cattle? Did you take them to pasture? It's coming around to that. When exactly? It's easy to pick on the elderly. It's easy, but it ain't dignified. Come on, old man. Do this together. Eh, voilà. Faut gérer un peu ce truc là, cette épave d'être humain là. Ouais, mon Michael. Mettez-vous en position derrière le troupeau. Ouais, plus de missions, de troupeaux, de chevaux, de vaches. Allez. Espérons que cette fois ce soit pas aussi galère que précédemment. Come on, come on, come on. Allez, on se bouge les vaches. Come on, let's go, let's go. Let's keep them moving now. Ok, bon, on va devoir les emmener par là-bas. Move, move. Keep it moving. Ok, je vois un peu loin là. Let's move here, my four-legged friends. Move, come on. Allez. Allez, bande d'herbivores à la con là. C'est pas mes missions préférées ça non plus, hein, mais bon. Easy. C'est les seuls qu'on aura à faire pour la famille de John. You dumb animals. Don't stop it. Let's go. Allez. Forward. Bouge. Move. Come on. Ah, quelle galère. Move. En plus, y a pas grand chose à dire là-dessus, quoi. C'est de la gestion de d'animaux, de troupeaux. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu crois que tu fais, toi? Allez. Move on. Move allez, on. Allez. Come on. Come on. Come on. Non, mais oh, ouais. Déjà assez galéré avec les missions comme ça, quand c'était pour Bonnie, mais alors c'est pour refaire les mêmes avec l'oncle. Ça va pas aller, hein. Allez. Oh oh, oh shit. Move, move. Non, 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 non. Je peux pas aller plus vite qu'elle. Keep it moving. Eh merde, eh merde! Putain, bah merci, hein! Putain, les vaches que j'ai perdues, quoi! Restez avec le troupeau ou arrêtez les. Ok, bon bah on va les tuer parce qu'ils m'ont fait ruiner mon troupeau. Yeah.
Je comprends pas trop ce qui se passe là. Je sais pas où ils vont les bandits, mais en tout cas ils m'ont ruiné mon troupeau. Alors je me souviens que cette mission je l'avais réussi sans perdre un seul bétail, mais bah non. Pas du tout quoi. Là j'en perds 5 quoi, j'en perds 5 du troupeau. C'est vraiment n'importe quoi. Enfin. Ça arrive hein. Oh putain, t'es remonté à cheval. Mais what? Mais what? Parlez au conducteur. Bah merci pour avoir bousillé mon troupeau, mec. Hein. You folks okay? I think we're safe. Thank you. I thought we were done for. Just helping out. Now you take care. C'est encore un bandit, ça? Putain. Retourner auprès de l'oncle. Bon bah ça a été un massacre. C'était absolument minable. Toutes ces pauvres vaches mortes. Shut it, old man. Come on, let's get this herd moving again. Move, come on. Ok, 8 sur 15, putain, c'est... Oh. Ouais, j'en ai perdu 5, quoi. J'en ai perdu 5, 5 qui se sont fait écraser par le train parce que les vaches, apparemment, vont plus vite que les chevaux. C'est une nouveauté. Alright, you stay front. J'ai presque envie de recommencer. 11. J'en ai 11 sur 15. J'en ai perdu 4. En fait. C'est déjà beaucoup trop. Presque un tiers du troupeau. Oh là là. Pa-pa-pa-da. Le train à destination de Paris. 15 minutes de retard pour vaches écrasées. Move on, move on. Come on. Oh, ça y est, elles sont en pâturage. Yay. Il y en a une qui lui manque un bout de visage à cause de la locomotive. Putain, le bâtard quoi. Vache acheminée plus 11. Le mec comme il se barre comme ça, tranquille. Right, bon bah, on va retourner faire une mission pour l'oncle, même si celle-ci était un échec cuisant pour moi. En tout cas, disons qu'on est arrivé jusqu'au bout, mais pourquoi je peux pas recharger? Ah bah oui, c'est vrai, putain. J'ai le fusil à pompe, pas la carabine. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je tirais au fusil à pompe. Non, je sais plus. Je sais plus jouer à ce jeu, ça y est, c'est fini, quoi. Je sais plus jouer à Red Dead Redemption. Shame. Ok, on rentre au ranch. Je pourrais presque faire un voyage rapide, en fait, je suis en train de me dire. Même si je suis à deux pas maintenant, depuis le temps que j'ai... depuis le temps que je me balade jusqu'à l'objectif, je pense que là, le voyage rapide, il va pas me servir à grand chose, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude de faire des trucs qui servent à rien dans ce jeu. Je suis tellement pressé d'arriver au bout que je fais des conneries, quoi. Ok, on y est, mais à mon avis, il est un peu tard pour faire des missions, donc on va devoir encore faire passer le temps 15 fois pour pouvoir... continuer le jeu. Qu'est-ce qu'il fout là-haut, lui? Votre proche n'est pas là. Revenez de... Ouais. Entre 5h du matin et 6h de l'après-midi. Sans compter le temps qu'ils mettent à rejoindre leur poste. N'est-ce pas? Ok, bon, on va aller faire passer le temps. En espérant ne pas déclencher accidentellement une autre mission. Voilà. Allez, au lit. Il va sûrement faire nuit, donc il va falloir repasser le temps encore une fois. Voilà. Et voilà. Je vais récupérer le coffre au passage parce que j'ai l'impression que mes munitions de carabine commencent à s'épuiser un peu. Ok. Il y a Abigail juste ici. T'es où, Michael? Ok, t'es là. En espérant que l'oncle soit déjà disponible. Reviens! Mais reviens! Putain. Ce cheval, quoi. Ok, l'oncle a l'air d'être par ici. Qu'est-ce qu'il fait avec ses lunettes, lui? Enfin, avec ses jumelles. Un festin infini. Enfin, sa jumelle, sa longue vue.
There's some Mustangs and some such out there beyond that ridge. Wondering if it was worth getting you and going around some of them up. Fair enough. We're nearly out of money. Ranch is in turmoil. We may not make it through the winter. What could we possibly want with some good quality horses? Come on. That tone of voice ain't so becoming on you. Makes you seem all pent up and angry like some Blackwater would-be business tycoon with a bad case of hemorrhoids. I'll give you a bad case if someone just shot me in the head if you don't hurry up. Et qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher les chevaux ou pas? Are you gonna mount up, kid? Ouais, bon bah deux secondes. Montez sur votre cheval. Ce n'est pas celui-là. All right, let's get after it. En route pour l'aventure! Yeah! Accompagner l'oncle, il va nous sûrement nous falloir le lasso, donc je le garde. Why you gotta act so biggity all the damn time? What happened to you? What were you gonna do? Just look at them horses all day? Well, God forbid I'd do anything around here without checking with His Royal Highness first. Yeah, you're real good at watching. That's about all you're good for, apart from bending your elbow. I can't do right for doing wrong. You're an ungrateful bastard. J'ai entendu un putain de cougar. I did my best when you was gone. Your best is like anybody else's worst. Come on, you're getting old. I gotta start taking things easy. You've been taking things easy for 40 years. Get up. Ça taille, hein? Ça clash. Ok, on est arrivé. There they are. Utilisez votre lasso pour capturer un cheval sauvage. Lequel je veux? Lequel est le plus joli? Je veux lui. Come on. I don't want you to get hurt. Allez, monte. Et c'est parti pour du dressage. That's it. There you go. Ça risque de durer un petit bout de temps. C'est pas grave. Steady. I got you now. Allez, tranquille. Du calme, du calme, du calme. Tout va bien. Tu es à moi maintenant. You are my bitch. Allez, descends. Yay. Un deuxième, capturer un autre cheval sauvage. Alors, lequel je veux pour ma collection de Michael personnelle? Let's go. Allons voir. Hey, ils sont loin ces bâtards, hein. Ils ont bien fui, hein, le temps que je capture l'autre, ils se sont bien fait la malle, hein. Come on. Allez, voilà. Alors, lequel? Lui. Raté. Tu es à moi. You are my bitch. Hold it down. Nearly there. Lean into it. Didi daddy dado do. Oh pardon. Non, je voulais pas vous mettre ça dans la tête. Désolé, non, je suis désolé, je voulais pas. Je crois qu'on va plutôt faire. Get down from me, get down, Angel. I've been raining long time ago. Ouais, c'est un peu plus, ça colle un peu plus au thème, je crois. Allez, presque, c'est bon, John. T'inquiète, t'as une coquille, ça te protège les couilles. Ok, vas-y, capture-le. Capture encore un? Oh là là. Bon, on va en prendre encore. Lequel je vais choisir cette fois? Putain, maintenant ils ont... Ah ça y est, ils sont juste là. Enfin, juste là. Ils sont juste à 1 km quoi. Ben, merci pour les allers-retours inutiles, hein. Go. Je sais que les chevaux sont peut-être un peu trop effrayés pour rester juste à côté de moi, mais faut pas déconner non plus. Ok, lequel on va prendre ensuite? Allez toi. Je te jure. Viens dans ma collection personnelle. Reviens, sale bâtard. Hey.
Mais merci. Voilà. Oh. Right. Tout va bien. T'inquiète pas. Laisse-toi faire, je te dis. T'inquiète pas, je vais être gentil. Je vais être doux la première fois. T'inquiète pas. Non. Pas la peine de surexagérer comme ça, ça va, c'est juste une petite chevauchée sauvage. Allez, hey, tu vas aimer, t'inquiète pas. C'est bien un peu dégueulasse. Ok, allez. Bien bon. Voilà, c'est bon, on peut arrêter maintenant. Pas que j'aime pas les chevals, mais... Allez, viens là. Il y a la raclure de Michael. Rejoignez l'oncle Beecher's Hope. Bon, ça va, on est pas loin cette fois. Pas trop loin. Ok. Bon, bah, ça nous fait 3 étalons sauvages en plus dans notre collection personnelle. Ouh, j'ai pris cher là. Yay! Come on, easy. Make sure there's enough fresh hay. We need to keep them strong. All right. Damn, a little gratitude wouldn't kill you. Qu'est-ce que t'as fait? À part trouver les chevaux et m'encourager de loin. Je me souviens pas t'avoir vu monter sur les chevaux pour les dresser, toi. Hein. Alors tu peux bien fermer ta gueule. Hein. De nouveaux objets sont disponibles dans les magasins. Alors je suppose qu'il s'agit de cheval disponible à l'achat. Ok. Bon bah Jack est à nouveau le seul proche disponible pour l'instant. J'aurais plutôt fait une mission pour Abigail, mais tant pis. Sauf si Jack, bien entendu, n'est pas disponible au moment où je vais arriver. Ouf, ça y est. La balade des enfants gâtés. Nah. John! What is it, old man? It's Jack. The kid. Well, I just saw him out in the valley. Seems your tales of hunting got the better of him. He said he was going up to the pass, track down that grizzly that's been seen up there. Kid can't hunt a grizzly. Thing will eat him alive. I know. I tried to stop him. But you're worthless as a lawyer at a lynching. Damn you, old man. This is my son. Anything happens to him, you wish it was you that bear attacked. Bah apparemment l'heure est grave, on a enfin une mission qui sort un peu des tâches quotidiennes. On va vraiment compter sur Rufus pour trouver le grizzly. Mais il n'y a pas besoin de Rufus, les grizzlies me trouvent tout seul. Je me pointe là-haut, je reste immobile 5 secondes, je me fais attaquer par 3 grizzlies. C'est bon, j'ai pas besoin de Rufus. Sérieux quoi? Ça c'est juste une excuse pour pas que je m'y rende en 30 secondes et que je règle le problème en 15. Ou que je meurs en 5. Where's Jack? Enfin. On est reparti pour une petite chasse à l'ours. En espérant que cette fois ça se passe un peu mieux que certaines précédentes fois. On va quand même s'équiper du fusil à bison au cas où, hein. On n'est jamais trop sûr. What you got, boy? Can you smell something? Mm. Where's Jack? Where is he? Trouve ou pas là? Pas ce que sûr de savoir où il va être, Jack. Moi. Ouais, je vais prendre de l'avance parce que le chien il est vraiment trop longtemps, quoi. Where is he? Quand tu veux, mon poussin. Hein. Ah, ça y est. Il sort un peu des pistes. C'est-à-dire qu'on approche. Ah, non, on est revenu sur la piste, donc on s'éloigne. En plus, il est chiant à suivre parce que il est juste trop rapide pour pouvoir le suivre à la marche et il est juste trop lent pour le suivre à la course. C'est chiant ça.
tout le temps comme ça dans certains jeux. Jack! Can you hear me, Jack? Jack! You up here? Jack! Jack, what's going on? Jack! J'entends des loups, mais c'est pas trop ce que je recherche dans l'immédiat, donc si vous pouviez me laisser tranquille. J'ai le fusil à bison. Non. Là, j'avoue que j'ai flippé. Une balle de fusil à bison dans la tête, il est pas mort. Faut pas déconner, quoi. C'est un grizzly, c'est pas. What the hell were you thinking going off on your own? You're just a boy. No, I'm not. I can skin an elk, break horses. Come on, let's get you home. Ah bah ta monture s'est fait crever, je suppose aussi. Ok. J'aurais bien dépecé le grizzly, mais bon tant pis. J'ai pas trop besoin de thunes, là, je crois. What the fuck? You're lucky to be alive, you stupid boy. What did I tell you about going off by yourself? I go off by myself plenty. You just don't know about it. You're never around. C'est pas vrai, je fais que ça là, mais en ce moment, je suis tout le temps à la maison. I was trying to prove myself. Prove what? By getting yourself killed? You're always telling me I read too many books, that I'm not a real man. I never said that. I just thought if I could do something you'd like, maybe you wouldn't go away again. Son, I ain't going anywhere. And believe me, neither are you for a real long time. En fait, le jeu assume que entre chaque mission, vous continuez à faire vos trucs dans le monde de Red Dead Redemption, à gauche à droite, genre des activités secondaires, des services, des défis. Sauf que moi, bah là, j'ai plus ou moins déjà tout fait, donc. What's your mother gonna say? I'm sorry, Paul. Please don't be angry. I ain't angry. I'm disappointed. Don't you ever run off on your own like that again. All right. I told you I was sorry. What would have happened if I hadn't come along? I don't know. I'd probably be dead. You'd be a pile of bones right now. What would you care? I'm just a nuisance to you anyway. That ain't true, Jack. I'd do anything for you. You know that. I guess there's only room for one hero in this family. Trust me, son. I ain't no hero. I'm just glad you're safe. Jack qui mélange tout encore, je veux dire, j'ai passé tout le jeu à faire des saloperies pour des gros porcs juste pour les retrouver et c'est comme ça qu'il me traite Jack quoi, je veux dire. Faites des gosses hein. I'm sorry I made you worry, Paul. Don't be too eager to grow up, son. Ain't as much fun as it looks. Ouais, carrément. When you're ready to hunt bears, I'll take you. Enfin, on a sauvé Jack. Tout va bien. J'aimerais bien faire une dernière mission pour Abigail, mais j'ai pas l'impression qu'elle va être disponible dans l'immédiat. Peut-être essayer de faire passer le temps une fois. Ça arrangerait peut-être les choses. Ou alors il y a que Jack qui est disponible pour l'instant. On va dire, je sais pas trop. Je sais qu'il est pas possible de manquer des missions dans ce jeu, mais j'aimerais bien pouvoir les faire dans l'ordre qui me plaît. Je vais essayer de faire passer le temps une fois. Non bah pas de mission pour Abigail, donc je pense que ça va être Jack à nouveau. Bon bah ça aura été l'épisode concentré spécialement sur Jack. Voilà. Vous êtes contents? Vous avez eu un épisode spécial Jack. Hein? Voilà. Pour les plaintes, adressez-vous à Rockstar Games. Putain. Le dernier ennemi à abattre. Oula. Hey Jack. Hey Paul. Need a hand with that? No, sir, I got it. Looks like you have. You know, you're real good with them tools. Thank you, Paul. You make this land real nice one day. Me and your mother will do our part. By the time your turn comes, hell, this could be the nicest farm in the county. Maybe, Paul.
Just gotta learn to shoot straight or you'll get yourself eaten by some animal. Very funny, Paul. Thank you, son. Soon it'll be quail season. We should have some fun then. Is there anything you don't like shooting, Paul? Well, I ain't meant the thing yet, but as soon as I do, I'll let you know. You can even put it in one of them books you read. Yeah, maybe I'll do that. Today, John Marston stops shooting. Now, I ain't no literary man, but I don't think that'll sell. People like shooting in them things. I think you may be right there, Paul. So, you ever hear talk about them machines that can make a man fly? Well, sure, Paul. Everybody knows about that. You know they're going to be bringing one of those machines around the country next year for a demonstration? One of them machines can turn men into angels. One of them machines can turn men into angels. Uh-huh. John, come here! John, come here, quick! Take a look at that. Jack, go into the house, lock all the doors. Whatever happens, don't come outside. You hear me? Whatever happens. Okay. Come here, son. Whatever happens, keep the doors locked and your mother inside. Promise me, son. Promise me. Who is it, Paul? It's just some old friends. Me and Uncle take care of it. Now you go inside and you keep the doors and the windows locked. I hear you. Then run! Yeah, run, boy. Well, old man, looks like things is about to get settled once and for all. So it seems. Follow me. Ok. Come on, on a subi une attaque. On a subi une attaque. Ok. On dirait des marshals. Les autorités qui m'attaquent. J'ai rien fait encore. J'étais sympa. J'avais le meilleur alignement possible. C'est tous des raclures de communistes, de capitalistes de merde. Ok, j'ai pris des dégâts. On va attendre un peu. De toute façon, l'autre a pas l'air de pointer le bout de son nez. Ah. Ok. Get inside. I'll keep watch out here. Allez à la maison. Run, John, run! Eh, c'est bon, pas la peine de me le dire deux fois. Je suis en route. What are we gonna do now? What's wrong? What's happened? Stay inside, you hear? Like I said, there'll be more coming. Oh putain. I don't know, son. Whatever it is. It ends here. Government crook. Okay. Oh merde. Uncle, are you all right? Damn it. I'm hit. Ah putain, l'oncle a été touché. Zut. Ça va. Il suffit juste qu'il se pose derrière une couverture pendant 20 secondes et il aura régène toute sa vie. Son deck. Rêve. You said this was over.
you was getting into. Rejoignez l'oncle. Hang in there, uncle. I'm gonna get you out of here safe. Ain't time, John. I ain't gonna make it off this porch anyhow. You take Jack and Abby. Take them and don't worry about me. Just get them out of here. No! Uncle, please! Oh my God! They killed him! Come on, son! Ain't nothing we can do for him now! Bon, bah l'oncle vient de passer l'arme à gauche. The farm. I'll watch from the silo. You two go to the barn, get the horses ready. John! I'll meet you there! J'avais une barbe dégueulasse, mais c'était plutôt drôle au fond. Oh putain! D'accord, il y a encore du monde en fait. La famille Martin à l'assaut! Famille à pied ou depuis le silo. Make a run for the barn. Let's go. Move. J'ai pas eu le choix. Now go. Go. Allez, monte. Quick. Run for it. Allez, allez, monte, 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 monte. I won't let anything happen to you. Hey. Je crois que John est mort. Jack est mort. Le mec s'est pris une balle dans la tête, mais il est pas mort. Bah, merde, j'arrive pas à le viser d'ici. Non. Un peu avant. Voilà. Oh, raté. Rejoignez Abigail et Jack dans la grange. Yep. On fonce, on fonce, on fonce. Médic. Hop. Ouh. Hey. Come on. Now listen. Jack, Gnarly, get on this horse. C'est qui dans le fond là? Go find a place to hide. You're coming with us, Paul. C'est qui derrière? You keep riding and don't look back. And don't be worried about me, hear? Now get going. You stay out of trouble, John. Ain't no trouble, Abigail. Ain't no trouble. I love you. I love you. Now go. Get. What the fuck? What? Ça c'était un joli bug, c'est un joli glitch ça, le modèle de Jack. Putain ça va. Putain. Ça c'est flippant par contre.
Ah, putain, je voulais faire un massacre. Did you hear that? Jack, we have to go back for Pa. Let's go! Bury me not on the lone prairie where the coyotes wail and the wind blows free. And when I die, don't bury me 'neath the western sky. Vers le soleil couchant. Et voilà qui conclut donc l'aventure de John Marston dans le Far West. Non, je mens. Il y a encore quelque chose que nous devons faire. Il y a encore une chose à faire, mais je sais plus où elle est. Voyons voir. Vous avez découvert l'uniforme du S. Marshall. J'avais pas vu. De nouveaux objets sont disponibles en magasin. Ah, il y a la tombe de l'oncle aussi. Il reste une place au milieu pour quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que c'est bon là ? C'est bizarre, ça devrait. Il me semble que c'est par ici. Je sais plus. Il nous reste un service à accomplir. Et on aura terminé, on va dire, la trame principale du jeu. Je crois que c'était par là. Alors, je vais faire un voyage rapide.
puisque les voyages rapides ne nous ont pas beaucoup servi dans ces derniers épisodes. Nous sommes donc aux commandes de Jack Marston, qui, après la mort de ses deux parents, a décidé de revêtir à son tour l'uniforme, on va dire. L'uniforme de cow-boy. Et c'est avec lui que nous allons pouvoir donc terminer le 100% du jeu, puisque dans la trame principale, John est censé mourir à la toute dernière mission. Il me semblait qu'il restait des missions pour Abigail et pour l'oncle, mais apparemment je me suis trompé. Enfin, il me semble que je me suis trompé. On va regarder le journal pour ça. Non, les stats, pardon. Alors, mission... Bah, je les ai tous faits, je crois. Toutes faites. Honneur, héros, réputation, pistolet, héros. Ouais, parce que je crois qu'il nous reste encore un truc à faire. Mais je sais plus du tout où il est. Oh putain, la misère, quoi. Et c'est à la gare de Blackwater qu'on se retrouve pour la suite et la fin, on va dire, l'épilogue... La fin de l'histoire, clôturer complètement l'histoire de Red Dead Redemption. Mais ça veut pas dire clôturer le jeu, hein, je vous le rappelle. Parlez à l'homme. Hello, sir. You work with the government? You one of them agents? Sure, son. Why you ask? Did you work with a man named Edgar Ross? I have something for him. Edgar Ross? No, but well knew of him. Fine man if you want the results. Won himself a chest full of medals. I think he went and retired about a year ago. Last I heard, him and his wife moved out to a cabin on Lake Don Julio. Lucky guy, getting to take it easy. He's fighting crime in this dump, that's for sure. Well, thank you for the information, mister. Allez trouver la femme d'Edgar Ross près du lac Don Julio. Qui est juste là. J'y étais allé, là, dans la coupure que vous n'avez pas vue. Enfin, vous avez vu la coupure, mais vous n'avez pas vu ce qu'il y avait entre temps. Je suis allé à ce lac, parce que j'étais presque sûr que c'était ici, et apparemment c'était par ici. Et, on va y aller en tant que passager, comme ça on zappe le voyage. Voilà. En plus c'est gratuit, donc autant en profiter. Et on va passer le voyage. Donc on est parti pour retrouver Edgar Ross, l'homme qui a fait chanter John pendant tout le jeu pour finalement lui planter un coup de couteau dans le dos après lui avoir fait penser qu'il le laisserait tranquille. Et je pense que vous savez où ça va se finir tout ça. Allez, viens cheval. Viens. Allez, viens. En tout cas, vous noterez que pour l'occasion, les dialogues ont été changés, donc la voix, les dialogues, les répliques, etc. Tout a été changé, même si on va dire que ça reste le même jeu, hein, enfin, ça reste le même personnage dans l'idée. Il y a des trucs sympas, comme par exemple quand vous dépecez un animal, on entend Jack qui dit comme papa me l'a montré, sachant qu'on avait fait des missions où lui montrer comment dépecer. Des petits détails comme ça qui sont vraiment sympas. Bonjour, ma chère dame. Excuse me, ma'am. Hello, young man. Hi. What are you doing out here? Are you out visiting the lake with your family? No, ma'am. I was looking to deliver a letter to Edgar Ross. Oh, that husband of mine. That bureau just won't get its talons out of him, even though he's retired. Edgar gave them some of the best years of his life. They ought to let him retire in peace. Not rest till they've killed him with worry, and he's such a sensitive man. Uh-huh. I'm sorry, I shouldn't get so angry. I don't suppose any of this is your fault. There's no need to worry about him nowadays. Well, where is he? He and his brother Philip went hunting on the south side of the San Luis River. Be careful crossing over. They were saying it was dangerous. I sure will, ma'am. And don't worry about a thing. I'm sure your husband will be just fine. Trouver les frères Ross près du Rio del Toro. Et il me semble que c'était là où j'étais allé également. Ah non, 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 c'était pas du tout là. Donc on va se rendre à Rio del Toro pour retrouver Edgar Ross et son frère. Je veux dire, tu tues ma famille, je tue la tienne. Ok.
tout cas, le temps est bien chaotique, hein, et je crois que ça va pas changer. C'est pas prêt de changer, je crois. Ok, Rio del Toro, nous voici. J'en profiterai aussi pour vous montrer les costumes que je n'avais pas pu vous montrer faute de John qui refuse de changer de vêtements. Salut. Ouais. Hey there, mister. How's the hunt? Pretty good, son. Je crois qu'il manque quelque chose là. Got me a few rabbits, coyote, elk. D'accord. C'est pas lui par terre là à côté? I got a letter here for Edgar Ross. You know him? I heard he was down in these parts with his wife. I know him. He's my brother. C'est quoi ces crânes là qui flottent? Must be a pretty important letter that come all this way. Ça, c'est des vues. Yes, sir. Real important. I'll be on my way home as soon as I deliver this message. You best be off then. Just don't get on his bad side. Vous voyez les crânes derrière là qui flottent, le mec invisible. C'est du délire là, il se passe plein de glitch, je sais pas trop pourquoi. C'est trop chelou. Eh ben le voilà. Il vient d'apparaître, il vient de pop, voilà. Pourtant je lui ai donné le temps d'apparaître, hein. Je suis venu en marchant. Hein. Trouver Edgar Ross en aval de la rivière. Oh, il est par ici. Intéressant. C'est qui lui? Il avait rien sur lui visiblement. Franchement? What? Mais regardez ça! On va régler les problèmes, hein. Regarde, regarde Rockstar, c'est comme ça qu'on corrige les glitches. Putain! Enfin, bref, on va continuer. On va descendre. Alors, le mat ou le double action? Mother? Ouais, je vais garder le GP sous la main. J'aime bien le GP, comme je l'avais dit. Je crois que je suis bon pour prendre mon cheval quand même, parce que la route a l'air d'être quand même assez longue. Même si je pense que je vais pas tarder à m'approcher. Right! Finissons-en. Maintenant que nous avons trouvé Edgar Ross. Starling you, sir. I have a message for you. My name is Jack Marston. You knew my father. I see. I remember your father. I've come for you, Ross. And you, boy, have sure as shit found me. You killed my father. Your father killed himself with the life he lived. You killed him. I saw you. You keep saying that. You sent him to do your dirty work. Then you shot him like a dog. And I'll shoot you like one too, you little piece of trash. Now get out of here before I kill you as well. I ain't going nowhere, old man. Edgar Ross versus Jack Marston. Y a un tutoriel? Désolé, t'auras pas l'opportunité de souffrir comme mon père a souffert. C'est vraiment le truc que je regrette le plus. Red Dead Redemption.
Et voilà les crédits. Alors c'est la fin du jeu, enfin c'est la fin du scénario en tout cas. Il y a une musique, ouais, il y a une musique qui arrive. Je pensais que ça avait encore bugué. Alors je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi quand j'ai découvert ce jeu, c'était vraiment une super découverte. J'en avais beaucoup entendu parler, comme quoi c'était GTA des cowboys. Et force est de constater qu'en fait c'est pas tant GTA que ça. C'est un jeu qui a son ambiance bien particulière. Rien que le fait que ce soit le Far West, ça change de la ville. Hein, même si dans San Andreas on avait des grandes étendues de plaines vides donc on pouvait traverser, c'était pas la même chose que de les traverser à cheval et de croiser des coyotes et autres animaux dangereux. Et au niveau du scénario, y a rien à dire quoi. C'est un scénario, on va dire, dramatique. Ça se termine mal. C'est des histoires de vengeance, de meurtre pour le meurtre. C'est assez basique, mais on va dire que ça colle quoi. Ça colle parfaitement au thème choisi, à l'ambiance, à ce qu'on a l'habitude de voir dans les western spaghetti, tous les autres films avec. Je vais essayer d'éviter le sujet, comme ça j'aurais pas à me ridiculiser. Donc en gros, c'est vraiment un super bon jeu qui en plus, comme vous avez pu constater, ça fait plus d'un an que je suis sur le Let's Play, ça va faire bientôt un an et demi d'ailleurs je pense. Et il a de quoi vous occuper, puisque en plus de la trame principale, il y a toutes les missions secondaires, toutes les activités secondaires, hein, comme dans tous les jeux Rockstar, tous, peut-être pas tous, mais la plupart des jeux Rockstar en tout cas, la majorité des jeux Rockstar. Et donc il y a à boire et à manger pour tout le monde quoi, ceux qui veulent simplement finir le jeu pour le scénario, ou ceux qui ont pas envie de s'embêter à faire le reste, et puis ceux qui sont un peu plus complétionnistes qui vont aller jusqu'à faire tous les services, récupérer toutes les armes, etc. Faire X chasse à la prime dans chaque ville, ça c'est un peu relou aussi mais... Donc ouais, globalement c'était vraiment un excellent jeu, j'étais vraiment très content de pouvoir le présenter en let's play, même si je pensais pas que ça me prendrait aussi longtemps encore une fois. Quand même savoir que c'est pas fini, hein. Si ça fait comme Silent Hill 2 où j'avais dit c'est pas fini et finalement j'y ai plus jamais joué, même si je songe de plus en plus à de mon côté jouer à Silent Hill 2 parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué donc ça peut le faire, hein. C'était vraiment parce que j'avais eu la surdose de Silent Hill 2 à ce moment-là que j'avais mis de côté le 100%, surtout quand j'avais vu ce qu'il fallait faire pour avoir toutes les fins. Pour Red Dead Redemption, la formule va changer à partir de maintenant. Pas pour Undead Nightmare en tout cas, sauf quand on arrivera vers la fin. C'est-à-dire que maintenant, vu que le 100% ça va être du gros farm d'activités secondaires et que toutes les activités secondaires je les ai montrées au moins une fois, je pense que je ferai juste une vidéo résumée où je résumerai tous les objectifs pour le 100% et que je ferai le check à l'aide de... à l'aide de prises de vidéos, on va dire, sur mes statistiques, tout ça. Et là, avec normalement ce dernier service accompli, on devrait être à 92-93% du jeu. Ce qui veut dire qu'à côté, il nous reste toutes les chasses à la prime à faire. Et je crois qu'il nous manque une ou deux armes. C'est possible, je suis pas tout à fait sûr. Et plus... tout le reste, quoi. Il y a des gardes de nuit à faire aussi, du poker, y a plein de trucs. Donc l'idée de la vidéo, on va dire résumée, c'est mieux parce que du coup ça fera moi de mon côté moins, on va dire, de montage à faire, moins d'enregistrement à faire surtout. Je vais pouvoir jouer, on va dire, tranquille de mon côté, pas avoir à me stresser. Et faire tout en un seul coup, comme ça, vous de votre côté, vous avez un résumé simple et concis, parce que je pense en 36 épisodes de Red Dead Redemption, j'ai parlé de tellement de choses que la plupart d'entre vous ont dû l'oublier. Donc voilà, une vidéo résumée pour le 100%, je pense que c'est encore la meilleure idée. Voilà, donc en dehors de ça, il me reste bien évidemment Red Dead Redemption et Dead Nightmare à finir. Et ça sera pas trop un problème parce que c'est un DLC qui est plutôt court. Et à côté que j'ai commencé Siberia, l'avantage de Siberia c'est que je sache, hein, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être un jeu à fin alternative ou avec des secrets qui traînent, des objets secrets qui débloquent, je sais pas, des dialogues ou trucs comme ça. Enfin bref, donc c'est pas un jeu qui devrait non plus me prendre un an et demi. Pour la suite, j'avais déjà des idées, mais avec le nouveau PC, ça change un peu la donne. Donc je vais y réfléchir,
On aura tout le temps de voir, de toute façon d'ici à ce que je finisse le 100% de RDR, on aura le temps de voir de l'eau couler sous les ponts. En tout cas, j'espère que ce jeu vous a plu autant qu'il m'a plu, que le let's play a pas été trop pénible à suivre, surtout sur la durée. Je sais qu'il y en a qui pouvaient pas attendre une semaine pour avoir un épisode d'une demi-heure et qui ont dû soit se précipiter sur le jeu pour le finir eux-mêmes ou soit sur un autre let's player qui l'avait déjà terminé ou qui publiait à un rythme beaucoup plus soutenu que moi, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Et je crois que c'est vraiment le jeu qui m'a fait perdre le plus pas d'abonnés ou de vues ou de m'a fait perdre le plus de place, on va dire, sur ma chaîne. Sur mon temps d'enregistrement, mais je tenais vraiment à le faire et je regrette pas quoi. Y a pas de raison que je regrette d'avoir fait Red Dead Redemption. Mais si je m'étais pas promis le 100% dès le début, je l'aurais sûrement déjà terminé depuis un an. Voilà, faut savoir ça aussi. Donc, on va laisser les crédits défiler et quand le jeu reprendra, je vous montrerai les quelques tenues que nous avons débloquées, qui nous manquaient. Ah oui, il reste les tenues aussi, j'avais oublié, les tenues. On les a pas toutes débloquées encore non plus. Et je vous montrerai les tenues qu'on avait débloquées pendant la chasse au service avec John, mais qu'on pouvait pas démontrer parce qu'il avait son habit de fermier à la con qu'il voulait pas changer. Donc Jack aura l'honneur de faire le top modèle pour nous. Il y en a beaucoup qui avaient critiqué le fait de se retrouver avec Jack à la fin. Des joueurs de Red Dead Redemption qui avaient trouvé que Jack était un très pas mauvais personnage, mais qu'il n'était pas à la hauteur de son père. Moi, je vois Jack un peu comme littéralement le fruit de ses deux parents. D'un côté, on a Abigail qui, bien qu'elle ait son caractère, elle est douce au fond. Enfin, c'est une femme aimante. C'est pas une furie ou une harpie asociale et imbouffable. Et de l'autre côté, il y a John qui est un peu bourru, un peu usé, un peu désabusé. Et qui représente un peu le mec qui fait le sale boulot, quoi. La grosse brute, pas la brute, mais je cherche le mot. Et voilà, donc je pense que Jack, au final, c'est un peu le résultat des deux. C'est qu'il a... l'awesomeness de son père, c'est-à-dire que bon bah il est capable d'utiliser le Deadeye, il a tout son arsenal, il recharge aussi vite, il tire aussi bien, à cheval il est aussi bon, donc il est comme son père. Mais à côté, comme on a pu le voir quand il a confronté Ross, qu'il essayait de voir si celui-ci éprouvait des remords à avoir assassiné son père, et que visiblement non, c'est que d'un côté Jack essayait quand même de faire s'excuser Ross avant de le tuer. Ce que John n'aurait probablement pas fait, il se serait probablement contenté de lui mettre une balle entre les... Non. Il se serait probablement contenté de lui mettre une balle dans chaque jambe, puis de le castrer, puis de lui couper les mains, puis de... Enfin, vous avez compris l'image. Donc, voilà. Je pense que Jack, c'est pas un mauvais personnage en soi, surtout que, bon, à ce stade-là, on va pas avoir trop à le supporter pour ceux qui l'aiment pas. Étant donné que il me reste que ce qu'il me reste à faire et que pour ceux qui avaient rushé la mission principale, évidemment ils vont se retrouver avec Jack pour faire tout le reste du jeu, c'est-à-dire le 100%. Et sachant que les missions ça doit représenter à tout casser 60% du jeu, 50% si je me trompe pas, c'est quand même manquer quelque chose quoi. Voilà. Et je crois que je suis à court de choses à dire. C'est bête quand les crédits durent plus longtemps que notre capacité à combler les vides. Donc globalement un excellent jeu que je recommande à tous ceux qui même après l'avoir vu dans son intégralité voudraient toujours y jouer. Je sais qu'il y en a qui y ont déjà joué, qui l'ont déjà fini et qui me suivent quand même. Et ça je trouve ça que c'est remarquable parce que étant donné la vitesse à laquelle je publie mes épisodes, ça doit être un peu chiant à suivre, surtout au bout d'un moment, quand t'as pas publié pendant 3 mois, que les gens savent plus où t'en étais. Voilà. Donc je suis quand même content du support que vous m'avez tous apporté. Oups. Voilà. Du support que vous m'avez tous apporté, les commentaires, les likes, hein, comme d'habitude. Moi, je vous kiffe et vous kiffez ou pas, à voir. Mais si vous kiffez, moi je kiffe. Et si vous kiffez pas, c'est dommage, tant pis, quoi. Mais voilà. Au moins, j'espère que vous avez une bonne raison de ne pas aimer. Je peux pas passer ? J'ai pas envie de passer à la musique parce que j'aime bien la musique. Petite musique de piano comme ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup.
Mais à côté, je suis un peu à court de trucs à dire, comme je l'ai déjà dit. On tourne déjà en rond. Bon, on doit arriver sur la fin parce que là, il y a les comédiens pour les autres personnages et ça fait des gros pavés. C'est plus des listes, c'est des gros pavés. Donc, animation faciale, casting, éclairage. Bon, bah écoutez, je vais me taire. Je vous laisserai le loisir de zapper les crédits si vous le voulez. Moi, de mon côté, je vais me taire et je reprendrai quand on sera à nouveau aux commandes de Jack. Donc, à tout de suite. Souvenez-vous de ma famille terminée, Linné contre Lucky, succès déverrouillé. Et normalement aussi notre jauge d'honneur a dû arriver à fond. Journal, statistique. Non, honneur, héros, réputation, pistolero. Je sais plus. En tout cas, on n'en a pas terminé avec le cadavre d'Edgar Ross, puisqu'on va le fouiller. Et celui-ci avait sur lui 409$. C'est pas mal. C'est pas mal. En fait, j'aimerais juste... J'aurais juste aimé, en fait, maltraiter son cadavre. Bon, tant pis. On va devoir se contenter de le brûler. Voilà. Ok, donc maintenant que ceci est fait... Je vous l'avais promis, je vais le faire. Je vais vous montrer les tenues. Alors, les tenues. Pour cela, on va se rendre déjà à Chupa Rosa, puisque c'est à côté. Comme ça, on aura notre maison, on pourra changer de tenue rapidement. Et que voilà. Voilà, voilà. On a combien de dollars, hein? 3600. Je sais pas s'il y a encore des trucs à acheter qui nous coûteraient bien cher. En tout cas, je crois qu'on est pas mal blindé. Tous les services sont terminés. Toutes les missions sont terminées. J'ai acquis toutes les propriétés. Il me semble pas que j'ai toutes mes armes. Toutes les armes, je les ai pas encore, il me semble. Qu'est-ce qui me manque aussi? Bah, évidemment, tout ce qui est garde de nuit, etc. Machin truc bidule. Donc, rien de surprenant encore de ce côté-là. Je continue de me répéter. Oh. On va poser Michael. Michael Legends. Parce qu'il a été transmis de père en fils. C'est l'esprit de Michael qui continue de suivre la famille Marston. C'est presque un Marston à part entière en fait, Michael. Michael Marston. Oh merde. Je crois que je viens de faire quelque chose d'illégal. Enfin. Alors, changer de tenue. Tenue de cowboy classique. La tenue de chasseur de primes typique de Marston. Costume élégant qui permet de tricher au poker. Et on avait donc... Ah oui. Ah. Uniforme d'US Marshall. Tenue complète. Nettoyer tous les repères des bandes côté US en 24 heures. C'est largement faisable. Et il me semble qu'il faut juste le faire à pied. C'est-à-dire, enfin, à cheval. Il faut voyager de repère en repère à cheval. Parce que sinon, les voyages rapides font dépenser beaucoup plus d'heures.
Alors, légende de l'Ouest. Montrez à tous que vous avez le sang-froid d'une légende de l'Ouest. Classe. Alors, cette tenue, je sais plus trop ce qu'elle fait. Je crois qu'elle améliore grandement le temps de Deadeye. C'est dommage que ce soit pas marqué. Légende de l'Ouest, ouais. C'est pas marqué, c'est dommage. Uniforme de bureau, tenue complète, termine le jeu à 100%. Cache-poussière, ouais, ça c'était le vieux truc que je portais. Le poncho mexicain, les vêtements de cow-boy. Ok, bah en fait c'était la seule qui me manquait, que j'avais pas pu montrer. La légende de l'Ouest, qui est donc une tenue que j'aime beaucoup parce qu'elle a un effet particulier en plus d'avoir un cache-poussière comme l'autre. Ce que je préfère largement aux tenues classiques. Enfin bref, on va pas parler de mode. Je vais vous quitter ici parce que c'est un bon gros épisode. Là, je m'attendais pas à faire. Honnêtement, je m'attendais pas à faire la dernière mission tout de suite. Je pensais pas qu'elle arriverait aussi vite. Mais bon, c'est les choses qui arrivent. Celle-ci. Ok. Donc merci d'avoir regardé, portez-vous bien et je vous retrouve pour terminer ce jeu à 100%. Donc normalement il devrait y avoir plus qu'une seule vidéo, ou en tout cas grand maximum deux. Et encore merci à tous. Bye.